Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle démonstration de Bokeh. Aujourd'hui, nous allons parler de la compatibilité de Bokeh avec l'outil Zotero. Zotero est un outil permettant de construire ses bibliographies, tout cela en important différents fichiers et en indexant différents sites web. Alors, la prochaine version de Bokeh améliore la compatibilité avec Zotero, car différents éléments de métadonnées sont inscrits dans la page. Donc si vous avez l'extension Zotero installée sur votre navigateur, nous verrons que l'icône, selon le type de document, va changer et cela montre qu'on a bien identifié le type de document. Par exemple, ici un sonore, un article de périodique ou bien un livre. Quand on clique sur le bouton du connecteur, à ce moment-là, le Zotero importe cette page et va créer une nouvelle entrée dans la bibliographie avec les différentes métadonnées qu'il aura réussi à récolter sur la page web. Alors ça, c'est un livre et donc du coup, on va importer le titre, les auteurs et différentes données. De même pour des articles ou des périodiques, voilà, alternative économique, avec son numéro et sa collation, ou bien des sonores, des vidéos, et ainsi de suite. Voilà. C'en est tout pour cette démonstration, merci de l'avoir suivi, et à bientôt pour une prochaine démonstration.